Les amis, on se retrouve à nouveau sur du Assassin's Creed, c'est Motina 5-5, et je me retrouve sur le pont en avant avec Monsieur Pitcairn, et du coup, je dois y aller. Alors, on m'a dit d'acheter des flèches, on m'a limite engueulé, ouais, mais faut t'acheter des flèches. Alors, je vous dirai pas la personne, mais on m'a dit ça. Donc, je vais acheter des flèches pour mon arc, pour être le plus discret possible. Mais pour l'instant, je dois le suivre, je suis obligé. Donc, on va le suivre. Et ensuite... Quel est ton intérêt là-dedans? Voilà. Le même que le tien, la paix, la stabilité, un pays où tous vivent en bonne entente, libres et égaux. Pourquoi ne rejoins-tu pas la confrérie? Mon père était un assassin, un redoutable guerrier, comme on dit. Mais... j'aimerais moi aussi devenir père, il est difficile de concilier ces deux existences, alors j'ai fait mon choix. Je comprends. Mais je reste fidèle à la cause, et c'est pour ça que je suis là. En tout cas, on est parti pour ce 9e épisode de Assassin's Creed. On avance vraiment tranquillement, mais sûrement, et on a déjà passé un bon bout de Assassin's Creed. Et j'ai plusieurs choses à vous dire pour le programme de la chaîne Motina 5-5. J'ai prévu quelques trucs avec justement Titu Nini, peut-être OCB et peut-être voir d'autres membres de la team. On verra. Que peux-tu me dire sur Thomas Eki? Il dirige une bande de faux monnayeurs dans la ville. Si tu localises son quartier général, nous serons en mesure de le faire arrêter. En prison, il ne pourra rien contre le général Washington. Tu sais où le trouver? Non, mais je pense savoir où commencer nos recherches. Ah, ok. Bon, comme tu veux, mais dépêche-toi, j'aimerais bien que tu cours un peu. Alors, En fait, j'ai mon PC à... Qui a eu des petites mises à jour là vite fait, et j'aurais jamais dû faire ça avant la vidéo parce que ça m'a demandé un sacré temps, et j'ai eu le temps vite fait de voir mes armes. J'ai une dague, je m'en suis jamais servi la première fois, donc quand j'ai fait le jeu, je vais essayer de m'en servir, voir parce que ça m'intrigue quand même. Donc, on va voir ce que... Voilà, on est arrivé. Selon les rumeurs, des faux billets circulent par ici. Ce sont sans doute ceux de Thomas. Pour qui tu me prends? Ce n'est pas de l'argent, c'est du papier teint. C'est la dernière fois que tu me voles. Garde! Suivez le compte. D'accord. Contrefacteur. Ouais, faut pas que je me fasse détecter en fait. Je voudrais juste voir un truc vite fait. Tag accord. Ok. Et là, si je vais dans options. Base de l'animus, on s'en fout. Centre d'entraînement. Option. Ok, ça on s'en fout. Option peut-être. Commande. Voilà. Non, ça on s'en fout. Ok. Je ne saurais pas, mais c'est pas grave, hein, de toute manière. On va continuer. Faudrait que je regarde sur le bouquin où... Parce que je ne sais pas comment m'en servir de la dague à cordes. Je
Je sais pas ce que j'ai voulu faire là, monter sur un truc, il a failli me griller. Le mec est. Bon, je suis monté directement sur la table, pas discret du tout, hein. Mais le mec il a pas peur. Enfin, il a juste regardé. C'est tout. Que dalle. Qu'est-ce que vous voulez ? L'autre il s'est fait. Il y a un vieux bug ou je sais pas quoi, mais. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon, on peut y aller tranquillement. Voilà. On me voit pas derrière, oh, faut pas abuser non plus. Voilà. Comme d'habitude, j'ai un peu le soleil qui tape sur la télé, donc je vois pas forcément ce qui se passe. Voilà. Bon, je suis repéré, forcément, je l'ai tué, hein, j'ai été repéré. C'est pas grave, on va recommencer. J'aurais dû prendre l'échelle, mais je me suis mal débrouillé. En fait, comme vous avez vu, j'ai pas pris ma hache, j'ai pris mes poings pour me le niquer. Nickel, ça c'est réussi. Hop là, on peut y aller. J'ai eu un problème sur mon PC. On va essayer de le faire. Ah, attendez, on le fera après. Voilà, j'ai des pubs, j'ai plein de virus sur mon PC, il faut que je m'en occupe assez vite. Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait-il ? Ah oui, d'accord. C'est pour les gardes, ok. Le mec, il a flippé des gardes. C'est qu'il doit pas être... Non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il a vraiment peur, le mec, hein. Il a pas la conscience tranquille.
Merde. Avec que je la garde. Allez, descends. J'ai failli me faire griller, j'ai perdu la mission secondaire en plus. Vous ne m'avez pas vu. Je suis tout petit. Oh, j'en ai un peu marre de les suivre comme ça, en fait. Hop là. Bon. Enfin. Ah bah carrément. Bah oui. Tu veux quoi? Thomas Hickey? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu lui veux? Je pensais que vous étiez tous morts. Attrapez-le! Oh, ça c'est fait. On n'en parle plus. Bon, là maintenant c'est course à pied. Là, il n'y a plus besoin de se faire repérer ou quoi que ce soit. Là, c'est carrément course. Ah, bah non. En voilà un autre! Attrapez-le! Que se passe-t-il? Il est là-bas! Oh putain. Alors attends, parce que du coup là, ce qui se passe... C'est que je n'ai plus... mes armes et je me suis fait niquer rien qu'à cause de ça. Et voilà. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh! Putain, les salauds. Bah ouais, 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 forcément, c'est normal, en fait, dès le départ, j'aurais dû l'avoir, mais en fait, bah, je me suis fait niquer à cause de ça, et bon, bah, à cause de mes armes, que j'avais changé dès le départ, avant. Allez, 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 allez. C'est de l'argent. Allez, allez. Hé, pourquoi je peux pas l'avoir? Allez, allez, allez.
Ah bah enfin, je comprenais pas au bout d'un moment, je fais merde, j'appuie sur carré et tout, d'habitude c'est pour l'assassiner direct en cours. Ne bouge plus, tu ne feras plus de mal. Espèce d'imbécile, tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. Washington est le seul à pouvoir unir l'armée continentale. Si tu le tues, tu étoufferas le combat pour la liberté. Là tu te trompes. S'ils meurent, ils seront obligés de nommer Lee. Et alors ? Je vous arrête tous les deux ! Mais c'était qu'une petite dispute, monsieur. Y a rien de mal à ça. Deux gars qui règlent leurs affaires comme au bon vieux temps. On devrait pouvoir... Silence ! De quoi nous accuse-t-on ? Fausse monnaie ! Je n'ai rien à voir là-dedans. Bien entendu. Écoutez, il y a des choses plus importantes en jeu. Cet homme a l'intention de... Oh, alors lui ! C'est qu'en Suisse, fausse monnaie. Mission accomplie. Et une sur trois, mission secondaire, accomplie toujours et toujours. Ouais, je m'en rappelle de ce passage. Toi, je t'ai moqué, mon mignon. Quoi ? T'as perdu ta langue ? Tant que tu es là, Washington ne risque rien. Ouais, c'est vrai. Quoique... Je crois qu'on vient de me gracier. Merci d'être venu à ma rescousse, messieurs. Je ne tolérerai plus d'autres erreurs, Thomas. Suis-je bien clair ? Ah, et pour l'assassin ? Ouais. Il est là. Ils l'ont mis dans la cellule voisine. Faut croire qu'on les a pas tous eus. Règle ça, Charles. Tout de suite, sœur. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Me touche pas. Je suis pas une fille facile, je te le dis tout de suite, mec. Et ce garçon que j'ai vu au Congrès continental ? Le petit caniche d'Adams. Je crois que j'ai une idée. Ouais. Nous ferons d'une pierre deux coups. Écoute. Chaque chose en son temps. L'assassin ne risque pas de partir d'ici. Pour l'instant, tâchons de te trouver une cellule plus agréable. De quoi vous parlez ? Je croyais que je sortais. Benjamin Talmadge s'est arrangé pour que tu ne sortes pas d'ici avant un moment. Cet idiot a répandu d'atroces rumeurs sur tes comptes. Tu es soupçonné de vouloir assassiner George Washington. C'est quoi cette histoire ? Je croyais que vous deviez régler ça. Nous en discuterons ailleurs. Bon, alors moi je suis tout seul, dans une prison enfermée de murs. Je te dis qu'il prépare une évasion. On devrait partir avec lui. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Je l'ai vu tailler quelque chose dans la cour. Il l'a caché dans sa poche dès qu'il m'a vu. On aurait dit une clé. Probablement une lame. Non, mais ce ne se bat pas. C'est toujours en parlant qu'il se tire d'affaire. Wims Lafwing, on l'appelle. Une vraie anguille. Allez, Finch, il est pas si mal. Il m'a même appris un peu à écrire. Assez pour envoyer une lettre à ma femme. Et pourquoi faire ? Tu crois que cette catin va t'attendre ? Qu'elle se morfond en priant que tu sortes ? Hein ? T'as sûrement déjà remplacé, et plus d'une fois. Je te conseille de la fermer, si je reviens. Tu calmes, mon ami. Les en paix. Ah ouais ? Ben c'est vraiment pas drôle. Les amis, je suis de retour, je suis désolé, je me suis absenté, il y avait quelqu'un à ma porte, j'ai dû aller frapper, petit gros bordel en fait, mais c'est pas grave, c'est Moti 955, c'est toujours Moti 955, on continue. Alors, on a écouté, maintenant, on va interagir ici. Silence là-dedans ! Non. J'ai dit silence ! On va frapper. Je continue comme ça et je te fais jeter dans la fosse. Il dit toujours une, trois phrases différentes. Je t'ai dit d'arrêter. Je continue comme ça et je te fais jeter dans la fosse. Ok, ça revient au même. Interagir.
Ouais, d'accord, on va faire dodo, ok. Pas de soucis, petit dodo. Improvisé, allez. Ça va être difficile. Debout ! Oula. Ah bah, je suis par terre maintenant. Où est-ce qu'on va ? Monsieur, c'est une ambule. Tiens-toi tranquille ou tu finiras dans la fosse. Limiter les assassinats. Je vais le garde. Ah, je m'en rappelle, mais oui, mais c'est... Qu'est-ce que tu regardes, sauvage ? Pas toi, en tout cas, vu que t'es moche. Tu comprends pas ma langue, c'est ça ? Pour toi, me fais pas chier. Se limiter les assassinats, ok, mais il va pas falloir continuer comme ça. Ok ? Moi, je te le dis tout de suite. Oh ! Ça suffit, ouais ! Il faut vraiment que je te cogne pour que tu comprennes ! Eh bien, il s'est beaucoup calmé. Il faut que j'essaie de trouver ce Wims. Il cherche à s'évader. Il peut peut-être... Je peux en tuer deux. Oh, doucement, les gars. Alors, il me semble que c'est lui, en fait. C'est bien de l'avoir fait avant. Mason Wims. Peut-être. J'ai besoin de ton aide. Oh. Les gens disent que tu vas sortir d'ici. Les gens disent bien des choses. Je n'ai pas le temps de jouer. Dommage. J'espérais que tu ferais une partie avec moi. Vous avez eu l'occasion. D'accord. Tu connais déjà les règles ? Les mecs, Est-ce que tu connais déjà mon nom ? Puis-je avoir le tien ? Connor. Ravi de te connaître. Les mecs, après... l'archer vert, on est passé à du pirate des Caraïbes. Ensuite, on est repassé à l'archer vert, avec son arc. Pirate des Caraïbes pour le bateau, et maintenant on est passé à Prison Break, pour la prison. Attention. Il y a du copier-coller là-dedans, hein. Bien joué. Et qu'est-ce qui t'amène à Bridewell ? Une traîtrise. J'ai été accusé à tort. Comme nous tous. Tu ne me crois pas ? Pourquoi te croirais-je ? Tu m'as tout l'air d'une brute. Tu te trompes. Je suis un homme honnête. Et pourtant, tu es en prison. Dis-moi comment tu as fait pour te retrouver ici. Je ne peux pas en parler. Dans ce cas, je ne te dirai rien. Je voudrais pas dire, mais je connais pas du tout ton jeu, mec. Hein. Donc, va falloir faire quelque chose. Hein. J'ai essayé d'empêcher un meurtre. Oh. Quelqu'un que je connais ? George Washington. En fait, il fallait juste poser des jetons. Ce sont les autres qui t'envoient, pas vrai ? Ils ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de ce pauvre Mason. Ah, les idiots. Prendre une chose pareille à la légère. George Washington est l'incarnation du courage. Aussi loyal qu'un frère. Aussi exemplaire et résolu que le meilleur d'entre nous. Cet homme est notre Jupiter conservateur. Il nous offrira la liberté et la grandeur. Ceux qui pensent le contraire sont soit des demeurés, soit des traîtres. Dans ce cas, tu comprendras pourquoi je dois sortir d'ici. Sans mon aide, ton Jupiter va mourir. Tu ne plaisantais pas, mon ami. Très bien. S'évader d'ici n'est pas chose facile. Tu vois ? Tout repose sur la clé que j'ai copiée. Ah, il a... Mais ce Finch me l'a volé. Il a copié dire qu'il m'a le plan à moi pour la faire. Sur lui. De la prison. Si tu ne reprends pas, on n'a aucune chance de fuir. Musique de Prison Break, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Eh oui, Prison Break. Bon.
pardon. Ok, par là je peux pas y aller. Alors ensuite il va falloir ouais donc récupérer une clé. Ok, ouais, je vais remonter hein, tranquillement. Il faut que j'aille là-haut. Que j'aille parler à la personne suivante, je suppose, ou... Bonjour monsieur. J'ai limite même pas encore appuyé sur le bouton. Il m'a déjà détecté le mec. Ça va être showtime. Faut que je vole une clé ou je sais pas trop quoi. Oui, gars. Pitpocket. Ça fait pas partie de mes fonctions, mais on va essayer. Pardon? Pardon? Le mec est juste là. Il y a deux, trois, il y a un garde là, il y a un garde juste à côté. Il m'a bousculé le mec. Il est pas sérieux. J'ai rien fait. Bon. Ok. Pickpocket, moi je ne serai jamais. J'aime bien me la faire à la Yoda. Je me rappelle plus comment j'avais fait la première fois. On va rester par là avec eux. Bon, allez, si t'as arrêté de rigoler, et viens par là. Voilà. Se prend pour une espèce de philosophe, toujours le néo. Moi, je réfléchis sur toi. Et je n'y tire pas ma pensée. Putain, j'ai... Tout à l'heure, première tentative, il y avait pratiquement rien. J'échoue sur la première, et finalement, la deuxième, je me fais repérer. Enfin, j'échoue parce que j'ai arrêté, parce qu'il a bougé un peu, et... Faut que je fasse super vite, en fait. Le problème de faire super vite, c'est qu'il faut pas que je me fasse repérer. Et si je me fais repérer, je suis mal, très mal. Tant pis pour ceux qui croient que se baigner en hiver est
Ah, c'est super chaud en fait, hein. Faut vraiment. Il va falloir que je regarde vraiment les endroits qui va en fait. Est-ce que si. Ou alors. Voilà, il faut que j'attende qu'il fasse un deuxième tour. Je vais voir comment ça se passe, parce que là, il faut. Ou alors, il faut que je tue un garde. Mais là, c'est peut-être pas le faire trop. Et j'ai quoi en arme? Lancer argent. D'accord. Alors comment je fais? Ok. Ouais, il faut pas que trop que j'en lance non plus, hein, parce que sinon je vais me. Ok, en fait j'ai volé, mais vraiment pas la bonne personne. Bon, on va le suivre. Allez. La mort approche. Ok. Bon. Bon, ok, pas de soucis. Ma mort approche. Putain, ça va être super chaud en fait, hein. Je déteste cette mission pour tout simplement le fait qu'il va falloir voler. Et j'ai horreur de ça. Parce que. Tu te fais repérer par tous les gardes ou par lui. On sait même pas lui que je voulais. Je pouvais pas le faire en face de l'autre, sinon. J'aurais pu me faire repérer. J'ai même pas le temps d'appuyer sur le bouton. Bon. J'ai un peu d'argent. Et il y a bien un truc à. À mon avis, il y a un truc à faire avec l'argent. Je vais à mon avis jeter de l'argent, éviter de tuer trop de soldats. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va voir ça tout de suite. Plus à chaque fois c'est pas le bon que je vole.
petite ferme du côté de Salisbury. Il y fait aussi quoi qu'ailleurs. Bonjour monsieur. Pourquoi il me regarde? Il a un regard chelou, lui, hein. Faut qu'il arrête de me regarder comme ça, hein. Et j'ai toujours pas mal de pubs qui se mettent sur mon PC, que je vois ça. Oh, j'ai mal à l'œil, hein. Oh putain, il me suit au pas. On va pas faire de conneries là pour l'instant. Putain, il me regarde le mec. Hein. On va attendre un peu. Logiquement, il y a personne dans ce coin là. Il y a personne par là. Je voudrais... Non, c'est de l'argent. Oh, il y a un garde là. Oh, ça y est, je l'ai. Putain. Puis je le suis à nouveau. Oh là là, putain, ça, celle-là. Alors, en fait, les prisonniers avant, ils étaient nu-pieds. C'est quand même bizarre, hein. Voilà, enfin, ma prison. Voilà. C'était un peu chiant. Le jour suivant. Elle ne marche pas, cette clé. Qu'est-ce que tu regardes? Tu me fais les yeux doux, c'est ça? J'aurais pas osé. Bon, allez. C'est reparti, on va aller. J'ai un peu... Attendez, bougez pas, parce qu'en fait, j'ai le truc de mon micro qui me saoule un peu, donc je vais l'attacher à mon t-shirt. Et puis, je vais descendre les étages, là. Et puis on va reparler à mon ami, joueur de... je sais pas quoi. Voilà. Ta clé ne marche pas. Quoi, comment ça? Elle n'entre pas dans la serrure. Non, ça c'est normal. Tu as fabriqué une clé qui ne marche pas. Tout dépend de ce qu'on entend par marcher. Elle nous fera sortir d'ici. Mais pas en ouvrant des portes. Comment alors? Tu vas t'en servir pour dérober la vraie clé au directeur. En échangeant la nôtre contre la sienne. Pourquoi ne pas voler la vraie clé? Pourquoi tout ce stratagème? Il verra tout de suite si elle a disparu. Alors que là, il se doutera de rien. Et quand il voudra s'en servir? Il le fera pas. C'est pour ça qu'on le vise. Comment arriver jusqu'à lui? Ah, ça tu risques de pas apprécier. Il n'y a rien à apprécier ici. Allez, parle. Tu vas devoir te battre. Quoi? Bats-toi, ils te jetteront dans la fosse. Et comment cela va-t-il nous aider? C'est le directeur qui surveille la fosse. Le seul moyen de l'approcher, c'est d'aller là-bas. Ok. Je dois reconnaître que c'est un plan bien complexe pour me faire risquer ma vie. Assommes-en le plus possible.
Et pas seulement un ou deux, ça ne fera que distraire les gardes. Tu dois les mettre en colère. Chacun a un gentil, lui. Tâche de rester en vie. Et si c'est toi qui se battais, hein? Ah là là, mais en tout cas, ça va me faire les mains. Hop là. Hop. Boum. Boum, boum. Boum. Oh. Boum. Allez, vas-y, prends-toi ça. Tac, tac, allez, tac. Toi derrière. Tac. Ok, ok. Bon, vas-y, je te tape avant. Boum. Boum. Attends, je tourne la cam. Boum, coup de pied. Boum, boum, coup de boule. Coup de poing, coup de poing. Ciao. Oh. Là. J'aime t'attirer les ennuis, hein. Ce séjour dans la fosse va calmer tes ardeurs. Ok, bon, maintenant. Honte sur vous tous. Vous êtes la lie de la société, des sangsues, des parasites de la civilisation, un ramassis de voleurs et de canailles. Reconnaissez-vous au moins vos torts? Cherchez-vous à vous amender, à vous repentir? Bon. Le mec, on a fait à peine du bruit, il a rien entendu du tout. Je dois m'efforcer de ne pas donner l'alarme. Toi là-bas, halte! Il ne nous filera pas entre les doigts! Halte! Où est-ce que tu crois aller comme ça? Voilà. J'ai désolé de pas parler à des moments. C'est là mais... qu'ils enferment les prisonniers importants. Des grandes cellules, agréables, bien mieux que les nôtres. À croire que même en prison, les relations font la différence. Merci, Mason, pour toute ton aide. Je m'acquitterai de ma dette envers toi quand j'en aurai fini ici. Trouver Ike dans le temps imparti. On est à peu près 2 minutes. Et limiter les assassinats. Ok. Je veux bien, mais alors là. Ok. Ok. Faut que je monte les 3 étages sans me faire repérer. Tu sais quoi? Allez, la foule, j'y vais direct, moi. Tu t'as
Je croyais que nous vous avions éradiqué. C'est bien la méthode des Templiers. Éliminez tous ceux qui ne partagent pas votre opinion. Coupable, votre honneur. Ton implication dans la Révolution nous a causé beaucoup d'ennuis. Cela doit cesser. Notre tâche est trop cruciale. Mais pourrais-tu le comprendre, entre les mensonges dont t'abreuve Achille et ceux que tu te racontes ? Je sais que le peuple veut la liberté, et que les hommes comme Washington peuvent la lui offrir. Je t'en prie, c'est un faible. Il bégaye et trébuche à chaque bataille, et il ne cesse de s'enfoncer. Sa carrière n'a rien de brillant, sans parler de ses prouesses militaires. Je pourrais continuer ainsi pendant des jours, tant ses défauts sont nombreux et ses mérites inexistants. Il doit disparaître. Et toi aussi. Nous n'avons que trop souffert de votre présence. Voilà comment on va faire. D'abord, on va te ligoter et te ramener en cellule. Et demain, tu passeras en jugement pour avoir comploté contre ce vieux Jordi. Et peut-être aussi pour le meurtre du directeur. C'est toi qui l'as tué après tout. Qui osera mettre en doute la parole de Charlie? Et quand tout ça sera réglé, eh bien... Il y a toutes ces années, l'enfant dans la forêt, c'était toi. J'avais fait une promesse. Et tu l'as tenue? T'inquiète pas, je la tiendrai. Ainsi que tu l'espérais, n'est-ce pas? Tu sais, nous aurions pu éviter tout cela si tu avais fait ce que je t'avais demandé. Mais c'est désormais trop tard. C'est qu'ensuite, prison de Bryn de Wall. Ah, pour une fois, deux missions secondaires. Bien. Debout. Allez, lève-toi. J'ai dit debout. Avance. Le jour J est arrivé. Le jour de mon exécution. Adieu. Je vais regarder combien on est. On est à 52 minutes. Mais bon, on a encore un petit peu de temps. Comment il m'a acheté ? Coup de téléphone, ça ne change pas chez moi, vous savez, on a toujours... Bonjour, connard. Tu n'espérais pas échapper à notre fête d'adieu, hein? Il paraît que Washington sera là en personne. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Tu disais qu'il y aurait un procès. Ah, les prêtres, on ne les juge pas, mon ami. Qui et Tam y ont veillé. Toi, tu files droit à la potence. Je ne vais pas mourir. Et je vais te faire la peau, Thomas. Ça suffit! Dépêche-toi. C'est incroyable ce qu'on me dérange à chaque fois. Pendant que je fais mes vidéos. Merde. Faites pas chier. Bon, bah allez, on y va, hein.
On m'a libéré. Ouais, je crois que c'est eux qui m'ont libéré. Mais bon, tout ça pour aller... pour aller me pendre, là. Vous avez vu qui je viens de voir sauter? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est là pour m'aider. On arrive près de l'exécution. Oh la saloperie. Tu n'es pas seul. Fais-nous signe quand le moment viendra. Ne te soucie pas de moi. Tu dois arrêter Ikki. Il va... Allez, gars. Fais pas attendre ton public. Vous vouliez jouer les héros, hein? Toi et ce vieux Georgie. Vous allez voir ce que ça rapporte. Une caisse en sapin, c'est tout. Mes frères, mes sœurs, amis patriotes, il y a quelques jours, nous avons mis à jour un complot si vil, si infâme, qu'en répéter la teneur me donne une nausée. Cet homme avait l'intention de tuer notre bien-aimé général. Une honte. Regardez sur le toit derrière. Quelle sombre folie. On est en train de tuer les gardes. Il n'essaie même pas de se défendre ou de s'amender. Nous l'avons prié et même supplié de nous révéler ce qu'il sait. Mais il s'est muré dans le silence. Si cet homme refuse de s'expliquer, d'avouer son crime et d'expier ses fautes, quelle autre solution s'offre à nous? Oh là là, ça son fait peur, hein. Son intention était de nous livrer à l'ennemi. La nôtre, guidée par la justice, sera de le livrer à la mort. Que Dieu ait pitié de ton... Non, s'il vous plaît. Non, je veux pas... Mon Dieu. Ah bah. Il faut arrêter Ikki. Vas-y. Bon, on va aller arrêter Ikki maintenant. Pourquoi je... Ah ouais, je crois que c'est... Voilà. Bon sang. J'aurais aimé survivre à ce jour historique. Dommage. Je veux des réponses. Pourquoi Johnson voulait-il les terres de mon peuple? Pourquoi Pitcairn visait-il Adams et Hancock? Pourquoi assassiner Washington? Pourquoi ton ordre s'est-il allié aux Anglais? Comment je saurais? Les Templiers... Lee... Notre chef est âme. Ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir. C'est pour ça que je me suis mis avec eux. Y a pas d'autre raison. Oh, bien sûr, ils ont aussi leurs grands projets. Pour l'avenir du pays. Mais j'ai jamais rien eu à faire de ça. Ils peuvent chanter leurs chansons sur la vie, la mort et la patrie. Ils peuvent mijoter leurs plans et tendre leurs pièges. Moi, ça me fait rien. Ils m'ont payé, et j'ai fait mon travail. Me demande pas pour qui ou pourquoi. Je m'en moque. Tu as choisi de t'allier avec ceux qui voulaient nous voler nos libertés, par simple appât du gain. Et pourquoi pas? Je suis pas assez naïf pour tout sacrifier pour des principes. Et puis c'est quoi un principe? Ça vaut combien un principe? Ne regarde pas comme ça. On n'est pas pareil, toi et moi.
rêveur qui cherche à accomplir l'impossible. Mais moi, je suis heureux avec une bière à la poigne et une femme sur les genoux. Pour moi, petit, le bonheur est à portée de main. Je l'ai empoigné. Mais toi, tu auras toujours les mains vides. Crève. Ferme ta gueule un peu. Tu nous saoules. Repos, soldats ! Repos ! Baissez vos armes, crétins ! Cet homme est un héros ! Oh, le bug ! Le général est vraiment un homme buté, parfois. Il ne nous a pas cru quand on l'a averti qu'il était en danger. Arrêtez ! Il a voulu tuer notre commandant, et il a failli vous tuer, vous. Ce n'était qu'une vile crapule. C'était un être humain. Encore un homme de principe. Où est Washington? Je dois absolument lui parler. Il a disparu dès que les choses ont tourné au vinaigre. Il doit probablement être en route pour Philadelphie. Je dois m'y rendre. Que se passe-t-il? Il est toujours en danger. Ikki avait des complices. Gros coup de pied dans le mur. Hop là. Mission accomplie. Ah, une sur deux. Dommage. Les amis, c'est pas ça, mais ça a été un peu longué. Il n'y a pas eu beaucoup d'action sur cet épisode. Je le sais très bien. Mais malheureusement, je vais devoir vous laisser. Je suis impressionné par ce que tu as accompli. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble. Un compliment ? Ne te méprends pas. Cette fois, l'entreprise aura une issue tragique. Mais on va arrêter bientôt. Mais le chemin parcouru dépasse de loin ce que j'anticipais. Le peuple voulait la liberté, mais craignait de s'en emparer. Cette peur s'est évanouie. Grâce à toi. Non. Le peuple s'est libéré seul. Oh, tu dénigres ton rôle. Mais tu as toujours fait preuve d'humilité. Je fais ce qui est juste. Ni plus ni moins. Tu ne dois rien lui dire. Il le faut. Sinon, il sera toujours en danger. Il le sera plus s'il l'apprend. En semant les graines du doute, tu saperas davantage sa détermination. Et si Washington est paralysé, Charles Lee frappera. Tu seras la cause directe de ce que tu cherches à éviter. Traque les Templiers, c'est ton devoir. Mais n'entraîne pas ces hommes dans ton sillage. Interagissez avec la porte. Ah, je sais pas, on le fait ou on le fait pas? Allez. On voit ce que ça fait. Nous devons tous serrer les rangs. Oui, car si nous ne demeurons pas unis, nous finirons tous pendus dans notre coin. Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent s'en emparer. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre indépendance est une chose. Désormais, mon ami, il nous faut la gagner. Souvenir synchronisé, séquence 8 terminée, les amis. Oh là 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 là, ça avance vite, j'ai bien fait de passer la porte. Et oui, parce que là, on va arriver directement à Desmond Miles. Et, enfin, je crois, je suis même pas sûr, en fait. Mais je crois que si, ça doit être ça. En tout cas, j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter des flèches, mais je vous jure que pour la prochaine fois, j'en aurai. Je vous jure. C'est parce que là, j'ai pas eu le temps, et on va écouter l'histoire. Tout se passe bien ? Sean a trouvé une autre source d'énergie. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. On va où ? Au Brésil. Oh ! Pam 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 pam. Et là, les amis, j'ai envie de vous dire fin de cet épisode. Mais on va attendre un peu de façon à laisser le truc et on va s'arrêter là. Là.
Là, les amis, j'ai hâte d'être arrivé à cet épisode, au prochain épisode, parce qu'on va s'arrêter vraiment là, parce qu'on n'a plus le temps. Mais croyez-moi, cet épisode, c'est le meilleur. Et là, Rebecca ? Le signal est très mauvais. Tu m'entends ? Donc croyez-moi, il va y avoir de la baston. Bien, content de voir que ça marche. Et vous allez voir comment se bat Desmond Miles. Et croyez-moi, c'est pas du connard, c'est encore mieux. Bon les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye.